J'ai trouvé ce magnifique pot à orca. Il est énorme. Comme ça, sur la photo, on ne voit pas, mais ça, c'est très grand. Ça, c'est le petit coin bureau que j'ai fait à la maison. J'ai pas encore terminé. Vous voyez qu'il y a encore les valises qui sont posées là-bas. Le classeur. Aujourd'hui, je m'attaque à toi. Donc ça, c'est le petit salon du haut. Vous reconnaissez mon miroir que j'ai recyclé. C'était le miroir de la salle à manger qui allait avec son buffet et son vaisselier. Je voulais pas m'en débarrasser parce que c'est encore pratique. C'est encore neuf surtout. Ça n'a pas 2 ans chez moi. Voilà. Et puis j'ai pris une moquette avec... Ça assombrit. Donc j'ai cassé l'air comme ça, mais avec des petits tons vert citron. Vous me direz, mais pourquoi le vert citron sur la moquette? C'est parce qu'il y a du vert ici. Ouais. Donc j'ai pris ces deux fauteuils chez Orca toujours. Un ensemble avec ça. Et puis ça donne ça. Le meuble télé que je vous ai dit que j'allais recycler est là. La télé est là. On l'a changé parce que les ménageurs me l'ont cassé. Donc on l'a changé, on a pris une nouvelle. Sinon, c'est comme ça, le petit salon du haut, tout simplement. Voilà. Je dis petit salon du haut, mais il est un peu grand quand même. Parce que regardez tout cet espace-là. Si je voulais exploiter. Mais à cause de la poutre, là, j'ai pas voulu continuer. J'ai juste mis ça ici et puis le meuble télé. La télé paraît un peu petite parce qu'en fait, j'ai cassé le meuble télé. Normalement, la télé devait être un peu plus en bas ici. Il y a un truc qui se mettait là, une sorte d'étagère. Mais c'est cet étagère-là que j'ai mis dans mon bureau. Donc, voilà. C'est pas plus mal, on voit bien ça là. Si je pouvais faire sauter ça, mais bon, j'ai pas le choix, donc ça reste là. J'ai retrouvé ça, ça va me servir. Ça va me servir. Je ne l'ai pas jeté, il est toujours là. C'était pour cacher un peu ça. J'aime pas. Vous savez que j'ai un problème avec ces trucs. Je ne l'ai pas juste. On m'a fait ce cadeau à Paris lors du meet and greet de Renette. Et aujourd'hui, je m'en sers pour ici. Son filtre, ça donne. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Bon, la bibliothèque qui va avec ça. Je n'ai pas encore trouvé une belle moquette pour ici. Je peux faire une table ronde de salle à manger cette fois. Puis voilà. Le buffet est comme le meuble télé. J'aime trop. Bon, on m'a apporté mes senteurs. Je dois les brancher un peu de partout. Tandam, je ne les ai pas jetés. Je vais faire un petit coup d'apéro. Un bon petit chariot, là. Avec des fruits, du citron. De quoi faire des cocktails et tout et tout. Voilà, je fais ça ici. Bon. J'en profite d'être ici en bas, parce que je branchais les désodorisants muraux, pour vous dire, les amis, c'est vrai, vous m'avez demandé un home tour, mais je ne peux pas le faire. Bon, le home tour, c'est vraiment que je commence au portail, je montre tout, le jardin, je vais derrière, je montre la cuisine, l'arrière, la buanderie, les chambres et tout, etc. Je connais, mais je ne peux pas le faire. Je ne suis pas à l'aise avec ça, tout simplement. Je ne suis pas à l'aise avec ça, non pas parce que mon intérieur n'est pas joli. Il est très joli, je le trouve d'ailleurs plus joli que celui de Yaoundé. Mais je ne suis pas à l'aise avec ça parce que je ne sais pas. Plus je vieillis, moins j'ai envie de partager sur la toile. Surtout quand je vois comment mes snaps sont exploités sur Facebook ou sur YouTube. Je n'aime pas, je n'aimerais pas que demain ou après-demain, que des gens, des partenaires ou autres prennent ça se servent des légendes que les autres pages font. Pour juger un peu mon quotidien. Donc, faut que
que je me décide à ouvrir cette plainte. Donc voilà, ne m'en voulez pas si vous avez l'impression que le home tour n'est pas complet. Je n'ai juste pas envie, en fait. Je vous montrerai ce que je pourrais montrer. Travail oblige, parce que j'ai des placements de produits qui nécessitent que je travaille, par exemple, de la salle de bain, de mon bureau, de la salle de bain, quand ils vous font des démos d'utilisation de produits et tout le reste. Donc, je suis obligée de vous montrer la salle de bain, mais tout ce qui n'est pas obligatoire pour moi, ce sera vraiment au feeling, quoi. Ce sera au feeling, ce sera pas... Donc, ne vous attendez pas à un home tour. Continuez toujours à vous attendre à des petits bouts de morceaux de la maison comme ça, mais pas un home tour général. Voilà. Et pour terminer, il y a quelqu'un qui m'a demandé où j'avais eu les stores. Je les ai eus à Orca.